C'est votre premier voyage en Amérique du Sud. Et après ces quelques jours passés à vous acclimater à l'altitude et au décalage horaire, vous voici désormais tout à fait disposé à entreprendre l'ascension de ce mythique sommet. Levé à l'aube, vous avez fait un peu de route sans vous presser, afin de démarrer le plus sereinement du monde cette marche vers le sommet du Machu Picchu. Ce sont d'abord les couleurs qui vous interpellent. Le bleu du ciel contrastant particulièrement avec le vert cru de la végétation d'altitude. Et tandis que vous suivez le chemin de terre à pas lents et réguliers, le soleil qui tape déjà fort, associé à la côte assez raide, commence tout doucement à vous faire transpirer. Des massifs d'étranges plantes rouges et vertes sont là qui jalonnent le chemin, tandis qu'un lama placide vous regarde sans vraiment faire attention à vous. Alors, vous prenez quelques instants pour faire une halte bien méritée. Déjà, la vue qui s'offre à vous est absolument superbe. D'autres sommets sont là, de l'autre côté de la vallée vertigineuse, avec un léger voile de brume par endroits qui confère au paysage un air un peu mystérieux, comme d'un autre temps. Alors, vous imaginez le peuple Inca il y a des milliers d'années, qui vénérait cette montagne sacrée et célébrait le dieu soleil lors d'impressionnantes cérémonies. Il y a vraiment quelque chose de spécial sur cette montagne. Et vous vous souviendrez longtemps de ce lever de soleil sur le Machu Picchu. À demain.